L'armée française s'est bien battue en mai, mais en juin, elle cède à la poussée des armées allemandes dans un désordre sans précédent dans l'histoire de France. C'est aussi la débâcle des administrations, des institutions et du gouvernement. Bref, le pays tout entier est plongé dans le chaos. Sous les bombes allemandes, les Français se mettent à errer sur les routes dans un état d'hébétude totale. Le capitaine Pierre Brossolette, lui, garde la tête froide et reste au combat. Sous le feu allemand, le 13 juin, il griffonne en hâte ces quelques mots. Toujours sur pattes. Les frites à 50 mètres. Aucun espoir d'aucun genre. Laissé presque sans ordre et sans aucune carte, il conduira tout de même son bataillon d'infanterie jusqu'en Périgord, hors de portée des Allemands. Plus de 500 km à pied. Il sera décoré de la Croix de guerre. Lorsque l'on considère le journal de marche du bataillon d'infanterie auquel il appartenait pendant toute la débâcle, on voit bien que cet homme qui aurait au moins pu prendre une bicyclette ou monter dans les quelques véhicules encore motorisés qui pouvaient subsister, ne l'a le plus souvent pas fait. Il marchait avec ses troupes. Français, j'ai demandé à nos adversaires de mettre fin aux hostilités. J'ai pris cette décision dure au cœur. Lorsque ces hommes entendent à la radio l'annonce de la cessation des combats, ils laissent exploser leur soulagement. Brossolette ne partage pas leur joie. Ils ne comprennent pas ce que cela signifie. Dans peu de temps, ils ne comprendront que trop bien. Ils ne connaissent pas les Boches. Nous allons être très... très malheureux. Devenu libraire à Paris après sa démobilisation, il est contacté en mars 1941 par des membres du groupe du Musée de l'Homme, un des premiers mouvements de résistance. Il lui demande de les aider à lutter contre la propagande anti-anglaise de l'occupant. Voici ce que leur répond Brossolette. Tout est fini. Ce pays n'existe plus. Mais enfin, comme il faut bien faire quelque chose, même quand il n'y a plus rien à faire, je suis des vôtres. Il faut savoir que pendant l'été et l'automne 1940, aucun parti, aucune église, aucun syndicat n'a appelé à résister. Celles et ceux qui se sont opposés pendant la première année de l'occupation l'ont fait de leur propre initiative. Ils n'ont pas rejoint la résistance, ils l'ont créée. Le groupe du Musée de l'Homme, le mouvement le plus étendu de la zone occupée, avait déjà été en partie démantelé par la police allemande quand Brossolette accepte de rédiger le cinquième et dernier numéro de Résistance, le journal du groupe. Voilà l'engagement qui façonnera le reste de sa vie. Moi, je crois que, et ces lettres le prouvent, il est dans un état d'esprit consistant à penser que il faut conserver l'espoir, qu'il faut s'engager, mais que ceux qui s'engagent à ce moment-là ne verront clairement pas la fin du processus. Ils resteront de toute évidence. Et là, nous rejoignons le caractère clairement et consciemment sacrificiel du premier engagement résistant. Et de fait, rares ont été ceux qui, après s'être engagés au tout début des années noires, sont néanmoins parvenus à survivre. Brossolette tient enfin l'occasion d'agir. Après 10 ans d'écœurement face à l'inertie politique et diplomatique française, puis face à la démission des élus de tous bords, qui, le 10 juin 1940, ont laissé la République se saborder face à Pétain. Après la destruction totale du groupe du Musée de l'Homme, Brossolette cherche un nouveau moyen d'action. À l'automne 1941, il est approché par Louis François, un membre de la confrérie Notre-Dame. La confrérie Notre-Dame est un réseau de renseignement de la France libre du général de Gaulle, créé par un producteur de cinéma breton, royaliste et catholique,
Gilbert Renaud, dit Rémy. Rémy a chargé Louis-François de rédiger des revues de presse et des rapports sur l'opinion française destinés à Londres. J'ai pensé évidemment que le mieux ce serait de confier ce travail à un journaliste d'expérience, comme était mon collègue du Collège Sévigné et qui était déjà plus ou moins mon ami Brossolette. Brossolette vient en effet de trouver un poste de professeur d'histoire dans ce lycée de jeunes filles. Je l'ai donc attendu à la sortie de 4 heures du Collège Sévigné, rue Pierre-Nicole, près du Val-de-Grâce. J'ai dit, je tiens à faire quelques pas avec vous, car je voudrais parler avec vous de certains problèmes, et il a accepté de m'accompagner. Bien entendu, Brossolette acceptera de rédiger ses rapports. Il accepte parce qu'il s'agit là d'un réseau, parce qu'il s'agit là d'actions concrètes et plus de palabres, parce qu'également il y a le contact avec Londres, et toutes ces raisons font qu'il signe son engagement au sein de la confrérie Notre-Dame et de la France libre au mois de décembre 1941. Avoir le contact avec Londres. Brossolette va innover en utilisant le contact radio d'un réseau de la France libre pour inclure dans ses rapports des comptes rendus précis sur la situation et la résistance de la zone nord, informations de premier intérêt pour Londres. Sa réputation s'en trouvera grandie, car jusqu'alors la France libre et la résistance vivent dans une ignorance mutuelle totale. Donc Pierre Brossolette est résistant de l'intérieur et il considère déjà que l'entreprise gaullienne est l'entreprise de laquelle viendra non seulement la libération de la France, mais surtout la rénovation, la réorganisation politique, économique et sociale de la France à la libération. Il est un gaulliste du temps de guerre, un des tout premiers issus des rangs encore peu denses de la résistance. Qui sont donc ces Français de Londres qui apprennent, grâce au rapport de Brossolette, ce qu'est la situation et la résistance en zone nord? Ce sont de jeunes officiers ou sous-officiers pleins d'enthousiasme, ayant rompu toute attache avec cette France qui a cessé de se battre contre l'envahisseur nazi. Sous l'uniforme français, ils ont décidé de partager le destin de l'Angleterre. D'où une atmosphère inoubliable de jeunesse et de plaisir. Plaisir d'être là, c'est-à-dire plaisir d'être auprès de ceux qui continuaient à se battre. Le général de Gaulle, qui les fédère depuis son appel du 18 juin, a créé les débuts d'un contre-État, puisque toutes les nations, y compris la Grande-Bretagne, ont reconnu la légalité de l'État français, institué à Vichy par Pétain. Parmi ses compagnons, un capitaine de 29 ans, André de Wavrin, à qui de Gaulle a confié le Bureau central de renseignement et d'action militaire, le BCRAM, autrement dit les services secrets. Comme la France libre elle-même, cet organisme créé à partir de rien dépend entièrement pour ses moyens des Britanniques. Il est à l'origine des très rares réseaux de renseignement français opérant alors en France. Celui de Rémy, la confrérie Notre-Dame, dotée de radioémetteurs, transmet entre autres les revues de presse et les rapports de Brossolette. Considéré comme l'expert de la zone nord et comme seul capable de mettre ses contacts résistants au service de la France libre, Brossolette est appelé à Londres. Fin avril, par une nuit de pleine lune, un avion de l'RAF à décollage court, un Lysander, se pose dans un pré bordant la commune de Saint-Saëns en Seine-Inférieure. Brossolette et un camarade de la confrérie Notre-Dame s'y engouffrent. Direction Londres. À Londres, Brossolette est accueilli par le chef du BCRAM, plus connu sous son pseudonyme lieutenant-colonel Passy. Ce militaire de carrière froid et réservé a dès le début mis une certaine distance avec ses officiers subalternes, parmi lesquels Stéphane Hessel, employé à la section renseignement. Alors que naturellement, dès que Brossolette est arrivé, on a tout de suite été camarades. Il était d'humeur communicative immédiate et donc nous tous, nous nous sentions très proches de lui. Et nous savions aussi
qu'il commençait très vite à exercer une influence très forte sur Passy. Pour ne pas mettre en danger sa famille restée à Paris, Brossolette rencontre secrètement De Gaulle, à qui il fait plusieurs rapports sur l'état de la société et de l'opinion française. Tous deux en arrivent à la conclusion qu'il est désormais possible de rallier à la France libre des personnalités représentatives de divers courants de pensée. Ce qui pourrait aider De Gaulle à incarner l'unité nationale aux yeux des alliés qui se méfient de lui. C'est également un moyen de recruter des hommes expérimentés et compétents, car ils sont si peu à avoir rejoint De Gaulle. Au même moment à Paris, au cours d'une perquisition à la librairie et au domicile des Brossolettes, la police arrête Claude, son fils de 14 ans, pour des injures anti-allemandes trouvées dans ses cahiers de classe. Des gamineries qui lui valent d'être détenu 36 heures par la police française, puis allemande. Où j'ai traîné une partie de l'après-midi, on m'a laissé debout, j'étais fatigué comme tout. Puis ensuite j'ai été interrogé par deux officiers allemands qui étaient en civil et qui visiblement n'ont pas pris le truc au sérieux. C'était sans doute que j'avais bien répondu aux premiers interrogatoires. Brossolette prend alors la décision de repartir en France pour en exfiltrer sa famille. Aucun Lysander n'étant prévu, il choisit d'être parachuté de nuit et sans comité de réception au sol. Le 4 juin, à 3 heures du matin, il est parachuté dans la région de Chalon-sur-Saône. Ce sera la première des trois missions en France occupée de celui qui est désormais le commandant Bourga. Tu ne pouvais donc pas rester là-bas. Il doit y avoir tant de choses à faire à Londres. Au lieu de cela, tu choisis le danger, le qui-vive permanent. Tu as donc cru que je ne serais pas capable de me débrouiller. Écoute, je ne pouvais plus vivre comme ça. J'étais dans une inquiétude folle pour les enfants et pour toi. Ça ne pouvait plus durer. Mais on ne peut rien y changer. Si. Vous allez tous les trois partir pour Londres. Je me suis arrangé. Il est alors le seul...